écosystème n'est pas existé comme un salami, un petit bout ici, un petit bout là-bas, un petit bout là-bas. Il existait comme une fonctionnalité entière, ça. Depuis ridge là-haut, depuis un ridge la montagne, jusqu'à ce reef, moi, tu peux dire, même beyond le reef aussi. C'est ça qui est un écosystème entier, parce que ce qui peut passer dans sa crête la montagne là, il peut influencer ce qui peut passer dans sa récif là un peu plus tard. Pour restaurer la mer, nous pas venir juste là, essayer plante corail, ça, un peu une bêtise, ça. Nous devons plutôt essayer restaurer une fonctionnalité d'origine pour renforcer sa corail là, redonner sur la fosse. Parce qu'il est bien affaibli hein, avec le changement climatique, de l'eau est plus chaude, etc. La boue, l'engrais, pesticides qui peuvent rentrer, beaucoup affaiblissants, mais là, surpêche, beaucoup d'affaires. Nous ne pouvons pas restaurer un endroit ici, mais si nous pouvons faire un développement plus loin, qui peut couper par exemple la peau de l'eau, ou bien peut faire un autre problème, nous restaurations ici capables d'y un coup d'épée dans l'eau finalement, n'y pas servir grand-chose. Donc nous devons prendre ça dans son ensemble, nous devons mettre tout ce. Cette connexion et faire un système entier et protégé dans son ensemble plutôt que protéger un petit bout de passé, un petit bout de bon, moi je protège la place, moi je protège la plante, moi je protège quoi. Non, nous devons protéger intelligemment ensemble comme un système parce qu'il interagit beaucoup entre la mer, la terre, la terre, la mer. Nous connaissons que maintenant nous sommes capables de gagner un cyclone de plus en plus fort, nous sommes capables de gagner un cyclone plus fréquent. Et ça, l'hypocause, ben, dommage que ce soit dans le lagon ou soit l'eau, la côte même, à travers l'érosion. Quand il y a une destruction dans sa partie qu'on appelle un estuaire, là, comme on dit, ben mal propreté, ben, la boue, bonne pollution à de la mer, bon, ça détruit le corail. Correct. Si nous dans une certaine place ici, nous vous trouvez qui est dans la destruction corail. Quand corail mort, il y a un effet domino. Mais le corail mort qui arrive, une vague remplit. Et en même temps, l'effet climatique là, il peut faire, il peut amener plus de cyclones. Le cyclone peut venir plus intense, plus fréquent, il peut venir plus inondé. L'eau là, dans la terre, même problème changement climatique peut faire plus inondation, plus sécheresse. Ça aussi peut faire une dégradation, peut amener plus la boue dans la mer. Il peut tuer le corail là encore plus bien. Donc, ça, c'est une menace qui est vraiment bien large. Et aussi, quand on corail détruit, right, pas juste érosion, mais aussi écosystème marin qui est affecté. Et tout ce vivant qui est dans la mer. Par exemple, dauphin. Correct? Dauphin peut quitter sa région là. Parce qu'ici, il est bien connu, il est bien important. Il y a une activité de dauphin qui déroulait. Right? Et dauphin peut éloigner à cause de sa pollution là. Ou soit une maladie. Pémo, donc tout cela nous vient préserver. Nous vient préserver en même temps l'écosystème marin et en même temps l'activité économique qui rapporte nous un bon revenu. Le problème qu'il nous trouvait, c'est que l'homme peut déranger la façon que la nature fonctionne. Moi, c'est qui nous laisse la nature organise-les par lui-même. Nous pas trop rentrer trop près pour que soi-disant nous qui connaissons, donc trop interrompu dans sa façon de fonctionner. Tant qu'il nous peut laisser un système évoluer par lui-même, l'IPU, d'une certaine façon, reste assez résilient en lui-même. Mais il faudrait qu'il nous soit capable de trouver qui peut arriver et connaît qu'il pourrait régénérer ou soit il pourrait être résilient et là nous laisse lui en place. Mais par contre, il y a quelque chose que nous capables d'intervenir, mais ce n'est pas tout le temps qu'il nous capable d'intervenir. Et dans une façon, résister ça ou freiner sa menace-là avec un développement côtier ou une restauration d'un écosystème côtier qui est quand même intelligent. Un écosystème-là nous apprend lui d'une façon générale comprend ce ban service de façon générale, qu'il peut faire un mangrove parmi la case poisson, et un petit poisson qui peut rester, petit poisson pour vivre grand, et un crabe, un crustacé, et un algue. Mais nous devons comprendre tout le mécanisme, sa synergie qui est là, sa interaction qui est là entre différents acteurs de cet écosystème-là.
une fois qu'il nous comprend, lui, nous capable de prendre certaines bonnes mesures. Et c'est très important qu'il nous connaît et nous comprend le mécanisme de l'écosystème pour nous capable éventuellement protéger ou soit assurer qu'il y reste résilient tel quel. Concernant l'érosion, nous avons plusieurs systèmes qui nous capables de mettre en place. Nous avons un système naturel, nous laisse la plage là évoluer naturellement ou si besoin et nous cave mettre nous ajoute du sable ou même plante certaines bonnes plantes qui pour retenir la plage. Ça c'est une technique un peu plus naturelle. Par contre, nous capables intervenir aussi en dur. Avec un revêtement de roche qui, à Maurice, nous en a pas mal autour de l'île. Et ça, il peut aider à garder une structure telle que la route qui est capable, avec un an, deux ans, en cause, tu finir comme en fêler et après tomber, tout ça. Mais donc, de ce fait, il protège une structure qui est déjà existante. Mais, tout ça, n'importe quelle méthode qui nous servit contre l'érosion, nous bisons étudier ça à l'environnement-là, qu'on a une caractéristique particulière qui est là-bas. Et il ne veut pas dire que si nous pouvons appliquer une solution à telle place, il peut marcher dans une autre place. Nous bisons connaître exactement qui peut causer l'érosion et est-ce qu'il nous est capable de faire quelque chose pour ça et non pas intervenir directement n'importe comment. Là-haut, il est introduit par un humain, il est parti là avant de nous arriver. Et du coup, nous trouvons ça pas tout sur le littoral, que ce soit sur le Ménène ou l'Oban Islet, comme ici. Et la vérité, c'est que il n'est pas une bonne plante qui aide à maintenir le sable. Après, si vous avez un filao, pas besoin d'un rocket scientist pour trouver. Ce racine souvent dans l'air, il pas protège, il pas ramasse ça la terre, il pas ramasse ça du sable. Mais par contre, il n'a plusieurs des autres espèces qui indigènes qui étaient là avant nous l'arrivée, qui naturellement arrivent à Maurice. Et les autres marient bon pour retenir le sable, pour préserver nous la côte. En fait, quand on met une plante qu'on file à eau, il prend place plante qui est indigène. C'est un ou l'autre ça. On ne peut pas mettre tous les deux ensemble. Donc, on peut tirer une plante indigène qui marie bon pour faire des positions, pour conserver le sol, pour conserver biodiversité, pour conserver du sable. On peut mettre un pied. Il est capable, je l'ai poussé à temps, mais il peut extrêmement promouvoir l'érosion. Alors, ce qui est très intéressant là, avec le bénitier, c'est qu'il est là, il est très plat, il est environ 10 mètres au-dessus du niveau de la mer à certains endroits. Mais aussi, c'est que la sédimentation, alors, c'est que du sable, c'est unconsolidated coralline deposit, c'est du sable partout. Contrairement à d'autres îles, comme par exemple Île aux Aigrettes, qui est fait de corail. Alors là-bas, c'est corallien, c'est dur, beaucoup plus haut, oui. Mais ici, c'est que du sable. Ça fait qu'il est là, il est très malléable, il est très plastique, il est très apte à être résilient au changement climatique. Par exemple, à des courants forts ou moins forts, à du vent, etc. Alors, mais la malléabilité, elle vient en parallèle avec le type de végétation qui trouve l'eau l'île. Qui veut dire que nous, on vit une île comme Île aux Bénitiers, il est mieux s'il y a énormément de plantations indigènes. S'il est exotique, il n'est pas vraiment servi à grand chose, comme par exemple des nounounen filao, racines en l'air, et pas retenir du sable. Mais par exemple, la végétation l'y aider à retenir le sable, à faire qu'il y ait la limite résiliente au changement climatique. Par exemple, si nous avons un gros divan, un gros courant, c'est même qui peut bouger là dans le sens que il peut affecter comment le sable l'y répartit sur la plage, sur la côte de la plage. Et aussi, ça fait aller qu'il est pour moins prone, il est pour moins apte à être affecté par l'érosion, entre autres. Mais il y a beaucoup de plantes endémiques sur la côte, hein, une plante indigène, ça. Ça aussi, ça existe dans l'autre endroit dans le monde, mais c'est naturel pour Maurice aussi. Ça c'est adapté pour ce milieu-là. Veloutier vert, là derrière, sa plante qui s'appelle sa caevola. Il y a une plante importante. Là-bas, on a un veloutier blanc, on trouve argenté. Là, hein. Après, il y a un batatron, différents types de gazon. Par exemple, si vous allez à l'île Bénitier, vous avez un endroit qui est bien, il y a une plante qui s'appelle lithium. Il n'est pas énormément commun, même ça, tellement rare. Il s'appelle lithium, mais qui pousse un peu partout dans la côte Maurice.
énorme asperge indigène, un pied asperge. Et après, il y a un petit buisson qui est bien content, pousse dans la mer. Donc, il y a quand même une diversité de plantes qui sont capables de mettre là et qui vous protègent. Généralement, quand vous trouvez des yaoulas, il faut un gros bosquet. Une seule plante qui a un gros bosquet est bien bloquée. Pas besoin de mettre beaucoup, beaucoup de plantes. Ça. Une plante, mettre là, laisser pousser dans son endroit, il vous pousse tranquille. Donc, il y a énormément d'espèces pour mettre, pour qu'il pousse bien et qu'il protège ça. Ce qui est important de faire, c'est mettre une plante là qui est adaptée avec sa milieu marin là. Si vous prenez une plante, la forêt là-haut, là, vous plantez ici, il pousse sec vite, vite. Vous avez plante dans le pied qui est adaptée avec sa milieu là. Elle est adaptée au milieu du sable, avec l'air marin, parce qu'il y a de temps en temps, il y a du sel vinaigre qui rentre dans sa terre là, il est un peu salé. Donc, une plante là, adaptée avec ça. Donc, vous marrez content pour ça. Là. Après, plus derrière, si vous avez préservé un ticket, là, quand même, il y a un pied du bois. Bois benjoin, bois puyant, bois latanier, tout ça, bois palmiste, faire joli. Ça aussi qu'à faire aussi parce qu'il ça aussi, il était comme ça avant. Quand nous étions cocotiers là-haut, nous même pas on est qui pays nous était là. Parce que pratiquement tout pays comme ça. Tout pays d'anthropique ressemblait à ça. Alors qu'il nous a un cachet mauricien quand nous avons une plante endémique indigène qui est vraiment unique, qui est dans l'autre endroit, juste ici.